J'ai surkiffé. Il y a ça là. Terror of Emazorus. Je sais pas du tout ce que c'est. J'aurais préféré ne pas savoir ce que c'est en fait. Je sens pas du tout ce jeu. Ah, c'est le genre de truc qu'il y aura écrit qui sera disponible dans le Game Pass. Il est en train de baver, de dormir. Baver. Ah non, ça a l'air pas ouf. Il y a un jeu tout à l'heure, j'ai installé, il faisait 26 gigaoctets, il était en 2D comme ça, j'ai fait ouais. Il y a un problème d'optimisation, les gars. Putain, mais c'est trop long. En fait, ils sont en mode le climat va pas changer, c'est l'économie, c'est ce qui. C'est ce qui est important. C'est un jeu Game Boy, ça. Les gens ont prié pour qu'ils sauvent l'humanité. Il a pris une machine dans le temps. Je sais pas ce qui se passe. Que je dois avoir faim. Je vais manger des gens. J'arrive pas à le bouffer. Les bouteilles sont affreux. Arrête, c'est trop bien. Non, je sais pas quoi en penser de ce jeu. Ça me rappelle, j'avais un jeu comme ça sur sur Nintendo 64 qui s'appelait Rampage. Je comprends pas l'intérêt du jeu. N'importe quoi, ça va bien les gars. Enfin, je console qui la pousse. Ouais. Tu vois, là, je regrette la Series S, tu vois. Là, je me dis, si j'avais lancé le jeu sur Series X. Tiens, je vais appeler la vidéo comme ça. Sérieux, c'est un jeu pour jouer sur Switch, pas sur Xbox. Même sur Switch. J'allais te dire sur mobile, mais même mobile. Hein. En vrai, j'ai rien contre, hein, mais juste, je sais pas combien le jeu y sera. Je sais pas. Pour moi, c'est limite des sortes de projets étudiants, ça. Ah, ça y est, là, il y a le premier niveau. Là où j'exagère, c'est que j'aime bien. Mais des coups de pied, oh oh, dégagez humain. Par contre, les destructions sont bien faites quand même. Hein. Ah ouais. Ah, les destructions, elles déchirent. Je peux manger, j'ai faim. Je dois tuer 50 civils. Waouh!
Venez vous faire shooter. J'ai faim. La caisse. Ah bah trop vite la voiture. J'ai shooté la voiture. Je crois que je suis capable de m'amuser de rien en fait. Ah non, elle tombe du mauvais côté. Faut qu'elle tombe par là, là. Voilà. Le jeu me tue. Bah, tu veux essayer? Tu prends ta Xbox et puis... Ah merde, la voiture elle a explosé. Moi j'aime bien les réactions en scène, en chaîne. Mais franchement, je sais pas quoi en penser du jeu. Mais la police sont malades ou quoi? C'est quoi le but du jeu? Faut tout détruire? Ah, t'as un pourcentage de destruction à faire. Voilà, bah j'ai testé ce jeu-là. Vous êtes tous morts. En fait, bouffer, ça te redonne de l'énergie. Vu que tu as de la vie, tu peux attaquer. Ouais, sûrement. J'aimerais bien voir par qui, mais... J'allais tuer les civils. Tu vois, par les policiers comme ça, là. Hop là. On va essayer de le faire. L'immeuble s'effondrer. Sur le resto. C'est obligé, il va y avoir des tanks et tout. Bah en fait, ça sert à rien de monter, tu vois. Parce que autant que je pète ça là et que la réaction en chaîne sera plus efficace. Après, tu peux grimper pour bouffer des gens, tu vois. Ah, c'est compliqué. Ça va être trop chiant à détruire. Vous êtes trop de gens au sol là. Tu peux zoomer en fait, c'est moi qui zoome. Il y a des gens dans le supermarché là. Je sais pas s'il y a des hélicoptères. Ah, tu veux dire de sauter? Ouais, peut-être. Je suis un peu déçu du deuxième niveau, là. D'accord, il y a des pertes financières aussi. Bonus stage.
Il faut que j'ai 75% de destruction. D'accord, c'est... Je comprends la référence à Street Fighter, mais c'était très nul. Détruire 15 voitures. Non, mais là, ça devient répétitif en vrai. N'importe quoi. Je crois que le jeu commence à ramer. J'ai trouvé la technique du jeu shoot. Je shoot la voiture. Shoot. Bon, j'ai tué assez de voitures, j'ai gagné. Mais en fait, il n'y a pas de nombre de temps, hein. Du coup, je pourrais rester là à l'infini à scorer, quoi. Ah. Breaking news! Apparemment, il y a un dinosaure qui pète tout. Ouais, non, c'est hyper redondant. Il y a pas... Enfin, il y aurait des hélicos, des nouveaux trucs qui arrivent. Même si ça arrivera peut-être un peu plus loin, mais... Ah, bah tiens, il y a marqué les palmes d'hélicoptère, ça y est. Ça y est, les hélicoptères. Faut que je mette des, faut que je fasse des gens mourir dans les pales d'hélicoptères. Arrêtez de mourir. Bah, je sais bien, mais moi, je veux des gens pas morts. Ouais, merde. Tiens, il y en a un pas mort là. Ah là, ça va me saouler en fait. Voilà, mais c'était sûr en fait. Shooter les gens dans les hélicoptères, c'est chiant. Ah, ça y est, j'en ai shooté un dans l'hélicoptère. Mais il y a un putain de policier qui veut me tuer là. Bon, viens là, toi, l'hélicoptère là. Allez, va dans les pales d'hélicoptère. Tiens. Oups. Merde. Nous voulons des gens. Ah bah tiens, il est tombé lui. Ça me rappelle un jeu qui s'appelle MacPixel. Attends, je sais pas qui tire. C'est toi qui tire? Voilà, tu vas arrêter de tirer. C'est bizarre, tu peux pas être sur le toit. Là, c'est mal branlé. Là, c'est juste chiant, en vrai. Ah, attends. Il y a des gens qui sont... Là, il y a plein de gens. Allez, dans les pales d'hélicoptère. Et là, il en manque plus qu'un. Aïe. Non, par contre, c'est une démo, mais...
Pour moi, ça, c'est déjà le jeu complet, quoi. Breaking news, le monstre n'est toujours pas mort. Je pense que je vais m'arrêter là. Sauf grosse surprise. Instant humain. Ah, et plus ça va, plus je dois tuer des humains, quoi. On peut pas courir plus vite? Ok, c'est pris pour Tarzan ou le bout de sa laine. Tu peux même pas sauter sur les hélicos. Non, là, c'est juste chiant comme jeu. C'est formidable comme un jeu peut devenir vite chiant. Là, les immeubles prennent trop de temps à se détruire. Ah, enfin, une voiture de police. Ils sont pas morts, les gens que je shoote, là? Les gens que je bec là, ils meurent au moins. Ah non, quand je shoot des gens, ils meurent pas en fait. Gameplay de la mort. Le jeu où tu dois tout détruire. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants là. Personne dans ces fichus immeubles. Ah, ils ont réussi à se sauver. C'est presque fini. Ah, j'ai réussi. Je pense qu'au début, il y a des trucs que j'ai pas détruits. Comme ça. Ça aussi.
Et ça. Ça y est. Allez, let's go. Il y a des habitants qui me tirent dessus. C'est honteux. Dégagez. Là, c'est mal branlé ça, donc je suis obligé de retourner tout à la fin du niveau en marchant. Je peux pas vraiment sauter sur les gens. Mouep. Là, je dors. Hein. Je me tiens derrière la tête. Mais c'est une copie de Rampage, en fait. Mais Rampage, il marchait bien. Ce jeu-là, je sais pas. Il... Ah. Ouais, mais non, mais c'est bon. J'ai assez joué. J'ai littéralement assez joué. J'ai assez joué. J'ai assez joué pour le reste de mes jours à ce jeu. Ah, ça, ça a l'air bien. En fait, non, il faut que j'arrête. J'allais faire à manger. J'ai pas fait à manger, non. Faut que j'aille faire à manger. Ah, juste par curiosité. Ça a l'air claqué comme jeu. Ça a genre vraiment l'air claqué. On est sur un SSD hein, là. C'est bien, j'ai Xbox. Ah, peut-être que je suis pas sur SSD. Alors j'avais pas vu, regarde, je suis trop curieux. C'est quoi Gen 9? Ouais, si, c'est un jeu optimisé hein. Gen 9, ouais, c'est ça, c'est optimisé sur les XCS. Mais peut-être en 120 FPS, on sait pas. Hein. 165 Hz, ça. Normal que ce soit nul à chier, putain. J'ai pas fait le tutoriel, je sais, mais bon. Pourquoi y a ça sur Xbox?
C'est littéralement un des jeux les moins marrants qui m'a été donné de voir. Même l'ordinateur, il se met des buts contre ton camp. Ça se trouve, c'est un joueur en ligne, hein, je sais pas. Hein. Sudden Death, ok. Nul à chier. Nul! Je veux plus entendre parler de ma Xbox. Au revoir Xbox. C'est fini. Bon les amis, vous êtes combien? Il est tard là, non? Vous êtes 6. Qui est en ligne? Très très belle découverte, Tim King. Je vais essayer avec Shilin, elle. Tu vas gueuler. Elle aime trop gueuler, Shilin. Voilà. Bon, les amis, merci de votre passage. Merci de poser pour les parties sur Fall Guys. C'était cool. Je pense qu'on va refaire du Fall Guys. C'était vraiment cool comme jeu. Belle découverte de Tiny King. Faut vraiment que je revoie ce jeu. J'avoue, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Bye bye, JB Ronil. Non, je regardais, en fait, Shinina est en train de dire que le prix a augmenté de The Quarry. Parce que The Quarry, moi, j'ai vu à 75€ et j'ai pas appris, quoi. Du coup, je vais vous laisser avec elle. Ciao, bye bye. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour le stream. Ciao, ciao.